J'espère que ça sera un bon Bienvenue live. à Melbourne pour le Grand Prix d'Australie où la séance d'essai est sur le point de débuter. Le briefing d'avant-course est terminé, il est temps pour les pilotes de montrer de quoi ils sont capables. Les écuries vont s'affronter sur les circuits de 5 continents pour remporter les championnats des pilotes et des constructeurs. Y a-t-il une course en particulier qui va retenir leur attention cette année? Oui, je crois que le Grand Prix du Mexique sera dans tous les esprits puisqu'il est de retour sur l'autodromo Hermanos Rodriguez de Mexico après une absence de plus de 20 ans. Cette saison voit également le retour de Honda qui reforme avec McLaren l'un des plus grands partenariats de l'histoire du sport. Mais peuvent-ils renouer avec le succès qu'ils ont connu dans les années 80 et 90? Ce ne sera pas facile, mais je pense que oui. McLaren a connu des difficultés les années passées avec la perte d'Hamilton et du directeur technique Padillo, mais aussi le retrait de Mercedes qui était l'un de leurs actionnaires et un gros investisseur. Cette nouvelle ère pourrait marquer leur retour au premier plan. Et c'est parti pour cette nouvelle saison. Donc, on a le jeu en français, je le passerai peut-être en anglais pour que ce soit un peu plus immersif. Et donc, après le choix qui a été fait pendant le live, nous partirons avec Romain Grosjean pour cette nouvelle saison. Et en espérant que ça convienne à tout le monde. Allez, on est parti pour faire une petite séance d'essai. Bon, on va peut-être faire des réglages avant. Donne-moi l'iPad, monsieur. Merci. Pas de pub, hein, pas du tout. Ah, attends, faut que je trouve les boutons parce que. Bien évidemment. Les boutons, c'est pas les mêmes. Changer d'écran, LBRB. Donc, je veux. Réglage 4. Avec une vitesse de pointe accrue. Voilà, ça me paraît pas mal. Et on va aller faire un petit tour d'essai. C'est le moment de faire quelques tours de piste. Alors, piste encombrée. Attention, la piste est fortement encombrée. C'est parti. Wow, premier blocage de roue. J'espère pour vous que le live ne rame pas, que l'image est fluide. Parce que je dois vous dire que comme je suis en train d'enregistrer en même temps que je diffuse, j'espère que mon PC n'est pas à genoux. Dites-moi dans les commentaires si l'image est trop saccadée. On apprendra à regarder les commentaires. Merci Marc pour le follow. S'il y a du nouveau.
Ma première constatation, c'est que la voiture glisse pas mal. Mais ça va, ça se gère. Alors Marc, pour toi ça rame. Paddock, est-ce que tu me confirmes le fait que ça saccade? Rappelle-toi que le transfert de masse est la clé pour bien manœuvrer la monoplace. Lorsque tu freines, le centre de masse se déplace vers l'avant. Lorsque tu accélères, il se déplace vers l'arrière. Et lorsque tu tournes, il est poussé vers l'extérieur de l'auto. Plus de poids sur chaque pneu signifie une meilleure adhérence. Adopte une conduite souple pour éviter que les transferts de masse ne deviennent trop violents. Ah, je regardais le chat. On va faire un truc. Là, je vais arrêter d'enregistrer. Donc en fait, voilà, ce que je faisais, c'était que j'enregistrais la vidéo en même temps pour YouTube en 1080p 60fps. Du coup, on va laisser tomber. Je me démerderai à récupérer la rediffusion sur Twitch pour ensuite la faire passer sur YouTube. Là normalement ça devrait plus saccader en tout cas. Puis pour tout vous dire, c'est déjà aussi plus agréable pour moi pour jouer. Pour l'instant, j'ai le chrono le plus pourri. Ouais, Marc, en fait, c'était parce que j'enregistrais en même temps avec un autre logiciel à côté. Et du coup, mon PC était à genoux, hein, tout simplement. Donc, bon, la vôtre. Hein. Fallait que je boive un petit coup. C'est vrai que les réglages, hein, sont vraiment très pointus. Faudrait que je regarde à l'occasion. Des réglages qui pourraient être intéressants. Petite information sur le niveau de carburant, il te reste actuellement 10 kg dans le réservoir, 10 kg. Merci pour l'info.
Et on commence avec un blocage de roue, ça fait toujours plaisir. Ce qui est terriblement frustrant là avec F1 2015 et avec le volant là, c'est que j'ai aucune sensation dans le volant, il y a très très peu de retour de force, c'est horrible. Et je suis bousculé par Maldonado, vous y croyez vous? Ah, salut Tigouda, écoute, j'en ai parlé un petit peu plus tôt dans le live. Hein. J'ai vu que tu m'avais répondu sur Twitter en me demandant de quoi il s'agissait par rapport à mon commentaire. Donc j'en ai parlé un petit peu plus tôt dans le live, c'était juste par rapport au fait que... après c'est pas envers toi hein, spécialement, parce que je sais que tu as eu des fois où tu as parlé de ma chaîne. C'était juste que je parlais généralement... Moi j'aime bien parler des chaînes d'autres youtubeurs, surtout quand en plus ils ont pas forcément le succès qu'ils méritent, et même quand ils l'ont, qu'ils n'ont pas besoin de refaire de faire de plus de preuves que ça de leur qualité de travail. Mais je dirais que de temps en temps, quand au cours d'une vidéo on parle de la chaîne d'un collègue, c'est toujours sympa pour un collègue pour qui on fait de la pub. Même s'il en a pas forcément besoin, c'est toujours très agréable et ça peut parfois donner un petit coup de pouce à la chaîne, comme l'avait fait pour moi Black Deer à l'époque, hein, quand il m'avait propulsé très rapidement de parfait anonyme à une notoriété qui est celle que l'on a aujourd'hui. Et il m'avait très rapidement offert, on va dire, presque 200 abonnés. Et on compte parmi ses abonnés des gens qui sont toujours présents sur la chaîne aujourd'hui. Et... voilà quoi. Salut Siri. Je suis arrivé un petit peu fort là. Donc Cyril, dommage, hein, tu es arrivé un petit peu... La première course de la saison est toujours difficile pour nous en bord de piste et pour les gars à l'usine aussi. C'est la première fois que la voiture tourne depuis les essais hivernaux. Plus tu parcourras de kilomètres lors de ces sessions, plus on sera détendu. Donc oui Cyril, hein, je disais, tu arrives un petit peu tard hein, puisque le choix a été fait parmi les présents sur le live. Et à la majorité, c'est Romain Grosjean qui l'a emporté avec sa Lotus. Écoute Tigouda, tu regarderas la rediff, hein, je suis désolé. Oui, je sais, Cyril, ton choix se portait plutôt vers la Force India de Nicole Kenberg. J'avais soumis l'idée. Mais le vote a été fait à la majorité.
Lewis Hamilton a signé le meilleur temps de la séance d'aujourd'hui. Le pilote britannique doit être très content des performances de sa voiture. Alors je relis en même temps ce qu'il y a sur le live, hein. Donc Tigouda, ouais effectivement, je te remercie, je sais que bah, toi et moi on a eu un parcours à peu près similaire, on a eu notre lot de galères, hein. Ça a mis du temps à percer, toi t'as réussi à percer, et c'est normal puisque tu fais du super boulot. Et donc bah, merci si tu as fait une pub dans une de tes dernières vidéos, c'est toujours plaisant, merci en tout cas. Donc je sais, hein, Cyril, je t'aurais pas choisi la Lotus, comme je disais, tu m'avais suggéré la Force India, Nicole Kinberg. Nous aurons bientôt l'occasion d'apprécier les performances des différentes machines. À quoi peut-on s'attendre lors de la séance suivante? Les qualités techniques de la monoplace Mercedes ne sont plus à démontrer. Cela dit, ne sous-estimons pas les capacités des Red Bull et des Ferrari, car ils possèdent le talent et les ressources pour s'imposer. Même s'ils sont à la traîne au début, je pense qu'ils sauront s'adapter d'un point de vue technique d'ici la première course européenne. Inutile de trop forcer sur cette période, on devrait pouvoir se qualifier sans souci. J'aimerais avoir ton optimiste. Alors, météo un petit peu couverte hein, pendant les qualifs, j'espère qu'il n'y a pas de pluie annoncée, on verra bien. Hamilton qui signe le meilleur tour, hein, forcément. Moche ce blocage de roue. Un pilote vient de faire un meilleur chrono, tu tombes en quatrième ligne à la septième place. Thank you.
J'étais déjà limite sur l'autre. Sur l'autre virage où je suis allé mettre les pneus dans le gravier. Là, ça améliorera pas, je pense pas. Là, c'est un petit peu. Tu perds un peu de temps dans le secteur 2, il faut que tu restes concentré. Il y a eu quelques loupés là. Salut Reznor, merci d'être passé. Désolé si ça coupe, hein, j'en suis vraiment confus. Mais voilà, c'est Twitch. J'ai pas d'autres mots. Alors si vous voulez que je paye l'abonnement Twitch Premium pour que vous puissiez sélectionner la qualité des vidéos, n'hésitez pas à faire des dons. Il y a un lien en bas dans la description de la chaîne Twitch. Hein, et avec les dons, bah, je me payerai l'abonnement chez Twitch pour que vous puissiez choisir la qualité de la vidéo. Twitch et son bridage de merde, ouais, tout à fait, paddock. Alors, Fic, je vais pas baisser ma qualité ni les bitrate non plus, hein, je peux pas baisser plus que ça. Je suis en 720p 30fps, j'ai pas faire des vidéos en 480p. C'est ce que la plupart des personnes qui font des lives sur Twitch utilisent comme format. Alors une dégradation des pneus pour la course, je sais pas exactement, je vais regarder dans quel état ils sont actuellement là. Donc là sur... sur les quelques tours que j'ai fait avec les pneus tendres, on peut estimer la durée de vie des pneus à 12 tours. On est bien plus haut dans le classement que ce à quoi on s'attendait. Ça peut peut-être le faire. J'essaierai de baisser un tout petit peu les bitrate, hein. Pour l'instant il est... au niveau des bitrate je suis à 2005. Donc là je pense qu'on pourrait faire avancer un petit peu. Alors, je suis pas sûr de pouvoir faire les changements. En plein live. La grosse déception de cette Q1, c'est l'échec de Daniel Ricciardo, qui ne participera pas à la Q2. Un sacré coup dur pour le pilote australien. Tout à fait. Dommage pour lui.
Je sais plus. Non, je sais plus où est-ce que c'est qu'on règle. Je dois peut-être pas pouvoir le faire pendant que je suis en train de faire un live. Donc je suis désolé. Mais bah, on essaiera d'arranger ça pour le premier, pour le prochain. Allez, bonne nuit, Fic-Fic. On va regarder un petit peu ce que vont nous faire les pilotes qui sont en piste. Bon, déjà, ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas de pluie. C'est un peu brouillon ce premier tour, hein. Ouais, un petit sous-virage dans le 1, ouais. Bon, c'est cool, hein. Je suis plutôt à l'aise avec cette voiture. Accélérer trop tôt. Marc, c'est-à-dire il tourne à fond. Oui, il tourne à fond, pourquoi?
Oui, Cyril, c'est ce qui risque d'arriver, hein. C'est que je risque d'avoir une usure prématurée des pneus, mais ça, comment on peut vraiment le prédire, hein. Température de la piste qui est en train de descendre progressivement. Ça se couvre. C'était une mauvaise séance par rapport à d'habitude pour Sébastien Vettel. On dirait qu'il va devoir se secouer demain s'il veut un bon résultat. Ah, c'est pas faux parce que Vettel qui partira donc en 11e, hein, suivi de Jenson Button, Maldonado, Alonso et Perez. Ça c'est inattendu. Non, normalement il en mélange deux, mais je vais quand même vérifier parce que c'est vrai que c'est pas impossible qu'il m'ait fait tourner le moteur à bloc là. Hein. Allez, Q3, c'est parti. On va les laisser faire leur tour. Bah ça, il a pas l'air d'avoir fait un gros tour hein, quand même. Voilà, du coup, Marc, tu as eu la réponse à ta question. Du coup, je lisais ce qu'il avait écrit Cyril dans le live et puis je me suis fait avoir. Tant pis, je ferai deux tours.
Une petite visite dans le gravier. Et un blocage de roue, parfait. Encore un gros blocage ici. Bon, Hamilton qui met tout le monde d'accord. J'ai bien coupé là, on m'a rien dit. Les commissaires n'ont pas agité le drapeau, c'est bizarre ça. On devrait éviter la pluie, mais si un fond orageux apparaît, on te le dira. Sans, je suis pas vraiment en amélioration là. Bon, ma petite déception, hein, parce que je viens de louper ma séance. La séance d'aujourd'hui a été remarquable pour Mercedes. Pas grand chose, ils ont réservé la première ligne de la grille pour leurs deux voitures. C'est un très bon résultat, comme on s'y attendait pour cette écurie. Leurs deux voitures devraient être sur le podium demain. Donc on aura une grille qui est verrouillée déjà par les deux Mercedes sur les deux premières places. Heureusement, Raikkonen sauve l'honneur de la Ferrari. Avec une troisième place. Après, on retrouve Valtteri Bottas, une Red Bull quand même, celle de Daniel Kvyat, puisque Ricciardo s'était loupé en Q1. Ensuite, on retrouve une Force India, une Toro Rosso, et donc je partirai 8ème, suivi par Marcus Ericsson et Felipe Massa.